Alléluia. Tout le monde va bien? Everybody's doing fine. Merci Seigneur. Je tenais également à remercier cette extraordinaire équipe au Vif qui a mis ce séminaire en place. Est-ce qu'on really peut les applaudir? I really wanted to thank the team, au Vif team, actually put into play this marvelous workshop and seminar. Le comité central consistait de Sylvie et Jean-José, Régine et Jean-Pierre. So the team, Régine, Jean-Pierre, Jean-José Sylvie. Et Sylvie. Eliane Romary. Et il y avait toute une équipe mobilisée. And there was a whole team around them. L'équipe d'accueil. And the welcome team. L'équipe audiovisuelle. And the sono and audiovisual team. C'était extraordinaire de voir cette mobilisation. It was such a blessing to see all the people just get mobilized. Et d'entendre les témoignages. And to hear about the testimonies. Merci pour ton témoignage, Jean-Louis. Thank you devant for mon your histoire. Testimony, brother. Yes. Alors là, Dieu a fait une œuvre extraordinaire. The Lord really did a marvelous task. Comme vous voyez, il se sert des personnes pour agir, n'est-ce pas? See, he just uses people to work. Le royaume de Dieu ne consiste pas de spectateurs. And the kingdom of heaven is not just made of spectators. Mais de participants. But of participants, people. Le royaume de Dieu ne consiste pas simplement des récipients. The kingdom of heaven is not just being receiving. Mais aussi des distributeurs. But distributeurs. We have to be as well, people are giving away. Dispensateur aussi, oui, ok. Yes. Donc, merci à toute l'équipe et un grand merci à vous tous qui êtes venus pour bénéficier aussi de cet événement. And thank you to all of those who actually came just to receive and benefit from all this. Alors, aujourd'hui, nous allons lire, pour commencer, trois versets d'introduction. Today, we're gonna read three verses as an introduction. Et on va faire confiance au Seigneur notre Dieu d'agir dans les profondeurs de nos cœurs. And we will trust the Lord just to work deep inside in our hearts. Si vous avez reçu par email les versets, on peut les projeter. Commençons par Marc 14 et verset 3. Marc 14, verset 3. On va lire les trois passages, faire quelques observations et demander au Saint-Esprit de nous parler. D'accord? Vous êtes prêts? Are you ready? Attachez vos ceintures. Fasten your belt. OK. Marc 14, 3. Comme Jésus était à Béthanie, retenez ce nom, Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. Premier scénario. D'accord? Deuxième scénario, Luc 24. Luke 24, now. De versets 50 à 53. Verse 50 to 53. Il les conduisait jusque vers Béthanie encore. Ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. C'était avec des disciples, évidemment. Et il fut enlevé au ciel. Il est monté. Il a disparu. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Troisième scénario. Matthieu 8, 1 à 2. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un seul, un lépreux, ça se trouve, s'étant approché de Jésus, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. The Holy Spirit, just be welcome. Merci de nous faire vivre la vérité et la puissance de ta parole aujourd'hui. So make us live, experience really the truth and the power of your word. Je ne veux pas simplement partager ma vie ou mes connaissances aujourd'hui, non. I don't want just to share my life and my experiences. Je veux que tu fasses entendre le cœur de Dieu. So make us hear the heartbeat of God. Illumine donc les yeux de nos cœurs.
to open up the eyes of our hearts. Pour que nous te voyons. So that we may see you. Que nous puissions te contempler. We may just contemplate you. Que nous puissions aussi méditer qui tu es dans ta parole. As well, you know, meditate who you are in your word. Et que tu trouves dans cette maison non seulement une famille de ta présence. So that you may be finding in this house not only a family of your presence, mais une famille d'adoration extraordinaire. But a family of extraordinary, extravagant worship. Pour ce Dieu extraordinaire que tu es. For this God, extraordinary God you are. Dans le nom de Jésus, nous prions. In the name of Jesus. Amen. 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 Je pense que l'équipe de louange a fait un excellent travail en posant Amen. Le fondement pour notre thème aujourd'hui. I believe the praise and worship team put a very good foundation for what we're going to share right now. Et comme j'ai promis au début du mois, c'est un peu la suite de ce qu'on a As partagé I told you début earlier avril. In the month, this time is a bit the second part of the first part I shared earlier. La dernière fois, on a parlé d'une louange extraordinaire pour un Dieu extraordinaire. Last time we spoke of an extraordinary worship for an extraordinary God. Et aujourd'hui, nous allons voir une adoration extraordinaire pour un Dieu extraordinaire. And today we're going to see an extraordinary worship for an extraordinary God. Okay. Pourquoi? So why? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, we as children of God, nous avons un privilège extraordinaire. We have a huge and marvelous privilege de développer l'adoration comme un style de vie. To develop the passion as a lifestyle. Je dis bien un style de vie. I really say a lifestyle. L'adoration n'est pas une expérience. So worship is not just an experience. L'adoration est un style de vie, un état du cœur, je dirais même. So worship is a lifestyle, is how your heart is beating, yes. Qui se manifeste ou s'exprime par les expériences. And this worship actually then get manifested through experiences. Connaissons un Dieu si merveilleux, si précieux, si puissant, si bienveillant, si fidèle. So knowing such a marvelous and faithful and extravagant God, et sachant que nous avons le privilège d'accéder, de s'approcher de lui, and we have the privilege to get near to him, to draw near to him. Mes amis, nous n'avons aucune excuse de ne pas adorer Dieu. So we have no excuse not to worship him. Il est tout simplement extraordinaire. It's just an extraordinary God. Et il est digne d'une adoration extraordinaire. And it's worthy of an extraordinary worship. Dans nos trois scénarios, qu'est-ce qui se passe? What happened in the three verses we just read? Dans le premier cas, Jésus se trouve à Bethany. Jesus is in Bethany in the first case. Le nom Bethany veut dire maison d'affliction. So the name of Bethany means a house of affliction. Un lieu de détresse, de pauvreté, so de souffrance. A place of despair, of poverty and suffering. Et en plus, il était chez un lépreux, imaginez. In addition, in the top of that, he was in a leper's house. Chez un malade où il accueillait des gens. Somebody was ill, actually welcoming people in his Et house. Cette femme précieuse And this precious woman, a pris le vase d'albâtre, she took this flask of alabaster, quelque chose de très, très cher, something very, very expensive. Et elle s'est approchée de Jésus, And she got near to Jesus. Qui était où? Where was he, Jesus? À table, he was sitting at the table dans la maison du in souffrant the house of those, you know, this leper, et dans le lieu d'affliction. And in the house of affliction. Et qu'est-ce qu'elle a fait? And what did she do? À table, at the table, elle a versé sur sa tête ce parfum qui coûtait une fortune. She poured out on Jesus' head this very expensive perfume. Pour moi, c'est l'image d'adoration, d'un acte d'adoration, si For vous me, voulez. It's an image of really an act of worship. Nous, l'épouse de Christ, we as a bride of Christ, nous sommes appelés à répandre notre parfum d'adoration sur Jésus. To spread out our perfume of worship. Même si nous nous trouvons dans la maison d'affliction. Even if we're actually for the time being in the house of affliction. Même si nous nous trouvons chez le souffrant, chez le malade. Even if we are actually dwelling in the sick person. Et le parfum consiste d'une certaine pureté. And the perfume is actually coming out of the purity. Des ingrédients rassemblés, purifiés et offerts.
made of all those ingredients, purified ingredients and offered. Comme vous et moi, nous sommes tous des ingrédients de ce parfum de la maison du bon berger. All of us were like ingredients and all together the perfume of the house of the bon berger. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme? Si vous lisez tout le récit, so what happened to this woman if you read all the passage? Elle était critiquée par les religieux. She was criticized by the religious people. Mais c'était grave, elle venait de faire un acte d'adoration pur. It was such a shame because she did a pure act of worship. Et les religieux l'accusaient d'avoir gaspillé les ressources. And the religious people said how she wasted some resources. Ce qui est très parlant. It's very, it speaks to Pourquoi? Us. Why? Parce que le moment où toi tu décides de déverser un parfum extravagant. When you decide at the moment you think to just spread out your perfume of extravagant worship, tu risques de te faire critiquer par les religieux. You may be criticized by religious people. Qui sont parfois tout près. Or sometimes very near to you. Ils t'observent. They're just looking at you. Au lieu d'adorer Jésus eux-mêmes, ils t'observent. They are looking at you. Dis à ton prochain, toi tu n'es pas religieux. Hopefully not. Non, absolument pas. So, say to your neighbor, you are not religious. Il y avait une bonne réponse là. Alors, dans le deuxième cas, encore à Béthanie, maison d'affliction. Second verse, so again at Bethany, the house of affliction. Nous avons lu Luc, la fin de l'évangile où Jésus était sur le point de monter so au ciel. So at the end of the gospel, Jesus is about to ascend in heaven. Première chose, il a béni les First disciples. Thing, he blessed the disciples. Et ensuite, il a disparu, il est monté au ciel. Then he ascended in the heaven and disappeared. Mais le fait qu'il soit plus visible aux yeux naturels n'a pas empêché l'adoration. But the fact that he disappeared and was not visible to the natural eyes didn't prevent the worship. Nous l'avons bien lu. We read it. Pour eux, après l'avoir adoré, so they worshipped him, and after, ils ont prolongé la réunion d'adoration en rentrant à Jérusalem. They returned to the Jerusalem and then, yeah, remplis d'une grande joie. And they're full with a great joy. Et là, un style de vie d'adoration s'est mise en place parce que nous voyons qu'ils étaient continuellement dans and le temple. And then at this time there was a sort of lifestyle of worship which was set up because we see after that they were always worshiping in his presence. Je peux imaginer quelque part leur tristesse parce que leur maître n'était plus physiquement parmi eux. I can imagine how they were sad because their master was no longer with them physically speaking. Je peux même imaginer la tristesse de cette femme précieuse qui a versé le parfum, critiquée even, par I les can, autres. I can imagine the sadness of this lady who actually was criticized while she was just pouring on this perfume. Mais dans les deux cas, la tristesse n'a pas empêché leur adoration. But in both cases, the sadness didn't prevent their worship. Je crois que ce sont des gens qui ont découvert combien Jésus est digne d'adoration. I think that those people actually discovered how Jesus was worthy of it. Et dans le troisième exemple, c'était un lépreux. Mais imaginez la souffrance physique, la douleur d'un lépreux. And third case was the leper. You can only imagine how the suffering and the distress of such a person. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Deux choses. What did he do? Two things. Il s'est approché. He got near to Jesus. On a lu que la grande foule suivait, mais celui-là, il s'est approché. We saw that crowds were around Jesus, but this particular person, this leper, just got near to Jesus. Et deuxième, il s'est prosterné. C'est le langage d'adoration. And second thing he did, he bowed down. That's the language of worshiping. Il n'était pas encore guéri, mais il a osé demander, Seigneur, si tu veux. Tu peux me guérir. He wasn't healed yet, but he dared asking Jesus, if you want, you can heal me. Tout cela pour dire que j'entends le Saint-Esprit nous appeler. All this to say that I really hear the Holy Spirit to call us à une dimension supérieure dans notre adoration. To a higher level of worshiping. Worship. Mais ne comprenez pas mal, Dieu n'est pas en train de dire vous ne faites pas suffisant. Non, c'est pas ça. It's not saying right now you're not making enough, doing enough. Une approche que Dieu veut faire naître dans nos cœurs, c'est simplement un changement de mentalité. The Lord just wants us to change our set of mind.
mindset. Que dans nos pensées, l'adoration, ce n'est pas de 9h à 10h le dimanche matin. That the worship actually is not happening between 9 and 11 on Sunday mornings. Quand on est entouré des frères et sœurs. When we're all together with brothers and sisters. On a une superbe équipe de louange. We have such a great praise and worship team. On a des paroles sur l'écran. We have words on the screen. Il n'y avait pas ça dans la maison d'affliction. Il n'y avait pas ça du tout. They didn't have that at all. Croyez-moi, des adorateurs, en esprit, en vérité, savent adorer le Seigneur au volant de la voiture. And really, worshippers, in truth, they know how to worship even when they're driving the car. De préférence avec les yeux ouverts, quand même. Keep your eyes open when you're doing it, obviously. And the hands on the... Sauf si vous avez une voiture automatique. Except if you have an automatic car. Et encore. Okay. Des vrais adorateurs savent adorer le Seigneur quand ils font le ménage. True worshippers know how to worship the Lord when they're doing the cleaning of the house. Tout le monde, c'est pas une joie pour tout le monde de faire le ménage. It's not a joy to do the cleaning, but... Mais je me rappelle combien j'étais presque sur le point de me plaindre de devoir nettoyer encore une fois ma maison. One day I was nearly, you know, saying, ah, I have to clean again the house. J'étais presque sur le point de me plaindre, de murmurer. I was about to murmur about that. Confession. Et j'entends le Saint-Esprit. And I hear the Holy Spirit say, ma fille, est-ce que tu veux faire le ménage ou est-ce que tu veux m'adorer? I said, my daughters, you want to do the cleaning or you want to worship me? Et j'ai dit, oh, ça veut dire que je peux laisser le ménage oh, et je peux mettre la musique. Cleaning the house, then. Mettre la musique, louer. And put some music on and worship. Non, mais il a dit, on va faire le ménage ensemble. We're going to do the cleaning toi dans l'adoration. You in the worship. Et tu verras, je te bénirai. And you will see, I will bless you. D'accord. Donc, je faisais le ménage. I was doing the cleaning. Et avec chaque geste, mon cœur était prosterné. And with each gesture, my heart was just bowing down. Mes oreilles étaient attentives. And my ears were opened. Et figurez-vous, j'ai toutes sortes de révélations concernant la purification de la maison. And I had such comme revelations ça. About how to purify the house. Je ne m'attendais pas à ça. I didn't expect it. Mais le fait que j'étais en position d'adorer tout en faisant le ménage. But the fact I was positioning myself while I was cleaning, I was worshiping. J'ai commencé à apprendre, c'est un style de vie finalement. I started to learn this lifestyle. On prépare le repas, on adore le Seigneur. The meal, we are worshiping on the est Lord. Sous la douche, on adore le under Seigneur. The shower, we worship the Lord. On prépare le lit pour se coucher, we on adore prepare le the Seigneur. Bed, and then we're worshiping. Et par moments, des expériences peuvent ponctuer notre and adoration sometimes the Lord constante. Can just, you know, put some experience in those everyday life gestures. Donc, j'aimerais partager quelques principes. So, I would like to share some principles. Quelques points d'action. And some points of action. Et puis, à la fin, nous allons nous rassembler à nouveau pour laisser le Saint-Esprit agir sur cette parole. And at the end, we will be all together and let the Holy Spirit work among us. Ça vous va? Are you okay? Quelqu'un veut offrir un beau parfum au Seigneur? Somebody wants to Amen. Offer the Lord a very nice perfume. J'ai l'impression que le Seigneur dit qu'il va déclencher un processus de purifier notre parfum. I really believe that the Lord wants to start to purify our perfume. Parce qu'il est digne d'un parfum qui est pur, n'est-ce pas? Because it's worthy of a pure perfume. Alors, réfléchissons. Qu'est-ce qui peut polluer ce parfum de nos vies? So, just think about what can pollute this perfume. Parfois, ce qu'on regarde. Sometimes what we are looking at. On n'est pas censé regarder des saletés, mes amis. We are not supposed to look d'accord? at bad things. Parce que cela va contaminer notre parfum. Because it will contaminate our perfume. On n'est pas censé non plus écouter des saletés. We are not supposed to listen to bad things. Vous voyez, les yeux, les oreilles sont des points d'entrée pour les saletés the de ce eyes monde. And ears are entry points for those bad things. Et après, c'est la bouche qui dévoile ce que tu as avalé. And then the mouth will make it clear what you have swallowed up. Quand tu parles. When you speak. Par exemple, Jacques a dit, l'eau douce et l'eau amère ne peuvent pas jaillir du même puits, de la même source. James said that the good water and bitter water cannot spring out from the same well. C'est pour cela, dans tout Jacques 3, il parle de
dompter la langue. That's why in old James 3 it speaks about how to master the tongue. Chose qui est difficile. Which is a very difficult thing. Si on n'a pas purifié le cœur. If we have not purified our heart. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche. Because from abundant heart, what the mouth. Parle, speaks. N'est-ce pas? Yes. Ce que tu as encaissé dans ton cœur va forcément tôt ou tard sortir de ta bouche. In your heart will, at the end, come out through your mouth. Si tu t'entends dire un gros mot. Ça signifie il y a la colère, la frustration encaissée. If you just hear your voice say a bad word, it means that in your heart perhaps there's some angriness. Si tu t'entends maudire quelqu'un, ça veut dire tu as encaissé l'amertume quelque part. If you are just cursing somebody and then you perhaps you have some bitterness, yes, in your heart. Donc, quand Dieu veut purifier notre parfum, il va agir dans le cœur premièrement. So when the Lord wants to purify our perfume, he will first of all start in our hearts. Et on a intérêt à s'établir certaines limites, contrôle parental venant du Père. And we have to céleste. Set up some limits, some, you know, parents control coming from the Lord. Dans tout ce qui concerne les réseaux sociaux, les médias, etc. Regarding the social networks, the media and whatever. Pourquoi? Why? Parce que pour toucher profondément le cœur de notre Dieu extraordinaire, il faut devenir un parfum pur. Because if we want to touch very deeply the heart of our God, we have to have a pure perfume. Est-ce que cela parle à quelques-uns ce matin? Does it speak to some of us? C'est quelque chose qui me touche profondément parce que j'ai envie d'être une bénédiction pour mon Dieu. Vous voyez? It touches me deeply because I want to be a blessing for my heart, Je for veux my God. Que son cœur soit ému par mon adoration. I want the Lord to be touched and moved by my worship. Et qu'il prenne une grande joie de se manifester pendant mon adoration. Vous voyez? That he got manifested during my precious worship time. Donc mon rôle c'est être sensible au Saint-Esprit. So my role, my part is to be sensitive to the Holy Spirit. Quand Saint-Esprit dit feu rouge, stop. When he says red light, stop. Va pas plus loin. Don't go further. OK. Je respecte. I agree. I say OK. Si le Saint-Esprit me dit mais supprime ça, 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 ce livre, ces magazines, stop ça. Looking or reading these magazines, books or whatever. À la poubelle. To the dustbin? Oui, Saint-Esprit, je veux que mon parfum soit pur. My perfume to be pure. Ou dans le recyclage, pour or être politiquement correct. Si le Saint-Esprit me dit, mais va régler ce problème relationnel. If the Holy Spirit tells me, just go. Quoi, and, maintenant? And get, you know, together with your brother and sister. Yes. Your relationship. Your right. relationship, ouais. Yes. Je ne suis pas prête. I'm not ready. C'est ça notre réaction parfois, non? Sometimes we react this way. Non, je ne suis pas prête à en parler. I'm not ready to talk to the person. Mais qu'est-ce qu'on voit dans l'évangile de Matthieu? What is it said in Matthew? Si ton frère a quelque chose contre toi, pose ton offrande, va voir ton frère, oups, va régler cette affaire. Yes. If your brother has something against you, just put your offering down and go and see him and get well together again. Va demander pardon. And ask him forgiveness. Soyez réconciliés. And be reconciled. Réparez la relation. Just break the relationship again. Et puis back. Revenir à l'acte and d'adoration. And come back to the worship. Cela nous indique que nos relations entre nous sont importantes dans notre style de vie d'adoration. It means that in our worship lifetime, relationships are very important. Que ce soit entre couples mariés, entre amis, entre frères et sœurs. Between husband and wife, between friends, brothers and sisters. Donc il y a des domaines où le Seigneur va vous parler même dans les jours à venir. So there are areas where the Lord will speak to you in the coming days. Pour que toute la famille ensemble puisse atteindre une, so that the whole family all together we can go up in a higher level. Une dimension supérieure dans notre adoration. Je dirais une dimension plus profonde aussi. I would say as well a deeper dimension as well. Parce qu'au bout de quelques années dans le Seigneur, because after some years in the Lord, parfois on peut faire des choses machinalement. Yeah, we can do automatic things all the time. Yes. Et le cœur n'y est pas forcément. And the heart is not in it. Mais un parfum pur veut dire aussi qu'on est impliqué de tout son cœur. The pure perfume means we are wholehearted in the worship. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. You will love the Lord from all your heart, all your thoughts and mind and all your strength. Donc je prends ce verset dans Matthieu 22, 37 et je fais mon petit checklist. Okay. Matthew 22 and I do some checklist. Comment ça va dans mon cœur? So, est-ce qu'il y a des choses à régler? Voyons, Saint-Esprit. So, Holy Spirit. Mm. Est-ce qu'il y avait une contamination? Is any things contaminated? Okay. Faites ça. Ton âme, toute ton âme, c'est quoi? In my soul. Volonté, so, émotion, my will, emotions, pensée. My thoughts. Il y avait une mauvaise pensée. Oh, I had a bad thought. Faut que je traite ça avant d'adorer mon Dieu. Il est digne de mieux que ça. Before worshiping my Lord because he's worthy. Vous voyez, c'est un processus. Checklist. So process. Toute ma force. OK. So he said, all my strength. OK. Je vais donner mon énergie dans mon adoration. I will give all my energy in my worship. Et de toute ma pensée. OK. And with all my thoughts. Vous voyez, c'est quelque chose que tu peux développer de manière concrète, quotidienne. So you can develop this habit or this lifestyle in a everyday life. Pour justement permettre au Saint-Esprit de purifier le parfum de ton adoration. So that the Holy Spirit may purify your perfume. Est-ce que ça vous donne déjà quelques pistes de travail cette semaine? Do you see and you have some work to do, some homeworks? J'espère que vous prenez des notes en tout cas. OK. Les principes dont j'allais partager avec vous. So a few principles I want to share with you. Principe numéro 1. The first one. La vraie adoration implique notre être entier. The true worship really involves the whole being. C'est-à-dire que quand je lis Romains 12 et verset 1, je découvre quelque chose. So it means when I read Romans 12 verse 1, I discover something. Paul écrit à une église romaine établie à Rome. So Paul is actually writing to some Christians in Rome. Voilà, ce sont des chrétiens. Et il dit ceci, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi ? Vos chants ?» Chose intéressante, offrir votre corps. Your bodies. Comme quoi ? Un sacrifice qui est vivant. Ce n'est pas une question de se flageller ou quoi que ce soit. Non, offrir son être entier, son corps, la maison qui contient l'Esprit. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera une adoration tout à fait raisonnable. Ça ne demande pas trop. It means it doesn't require too much. Je sais que parfois, on est un peu gêné au Sometimes niveau corporel. We are a bit limited in our body movements. Mais Dieu admire le corps qu'il vous a donné. But the Lord liked the body he gave you. Il est fier de sa création. He's vous voyez? Really proud of his creation. Donc adorer avec tout son corps veut dire que j'en prends soin. So worshiping hein? with all my body means I take care of it. Je mange pas n'importe quoi. I don't eat, you know, bad things. Je m'entraîne. Pour rester en forme, je pratique les principes d'hygiène, etc. Donc c'est tout à fait physique pour que mon corps soit un cadeau pour Dieu. Mais il y a une raison pour cela. Et cette raison est révélée dans le verset précédent. And we see the reason in the previous verse, qui est à la fin du chapitre 11. At the end of Romans 11. À la base, la Bible n'était pas divisée en chapitres. Donc, ça s'enchaîne. Divided, you know, as it appears in our books. Et le petit indice, c'est le mot « donc ». Je vous exhorte « donc, frère ». Ah, quand vous voyez « donc », il y a quelque chose qui a précédé pour mettre tout en contexte. And the little hint is the word « therefore oui. », which means there is something said before and there is consequence. Qu'est-ce qu'on trouve dans Romains 11, 36? So what it says in Romans 11, 36. Tout est de lui, All par lui, is from him, through him, et pour lui. And to him. À lui la gloire dans tous les siècles. To him be the glory forever. Ton corps est de lui, par lui et pour lui. Through him and to him. Ça veut dire que tu n'as pas forcément le droit de faire tout ce que tu veux avec ton corps. It means you are not allowed to do whatever you want with your body. Ton corps appartient à Dieu. Your body belongs to God.
Et le jour de ton mariage, ton corps va appartenir à ton époux. And the day you're getting married, your body will belong to your husband. Entre les deux, il n'y a pas le choix de donner son corps à n'importe qui. In between, you don't have the choice to give your body to anybody. Que ça soit clair aussi. It's very clear. Okay? Mais l'appel, c'est quoi? Puisque il nous a tout donné, il nous a, qu'est-ce que je cite, tout est de lui, par lui et pour lui. Because everything is from him, through him and to him. Nous sommes créés pour lui rendre gloire. We are created to give him glory. Et le point de départ, c'est le moment où on offre notre corps entier. And the starting point is when we offer our whole body to him. Je dis bien point de départ. I say starting point. Nous avons déjà parlé de l'état de notre cœur. We have spoken about this, our hearts. Nous savons que ce corps est la maison de Dieu, la maison de son esprit. And we know that his body is the house of the Holy, of his Holy Spirit. Et donc c'est pour cela nous joyeusement nous pourrons offrir notre corps à Dieu. That's why it's joyfully that we can offer our body to dans l'adoration. During the worship. D'autres termes quoi? C'est lui le chef. He's the boss. Je sais pas chanter. I don't know how to sing. Moi je veux t'entendre chanter. Oui chef. But the Holy Spirit says I want you to sing. Ah, je suis fatiguée. Really je vais rester assise aujourd'hui. Yes, je vais bien dormir. Oh, I want to sleep. Saint-Esprit dit, and the Holy Spirit says, mais tu vas retrouver l'énergie si tu te lèves et tu sautes. You're on dansera ensemble. You, on fera la fête dans la louange. And dancing, you know, and yes. Oui, chef. Ok, boss. Est-ce que vous suivez un peu? Are you following us? Est-ce qu'il faut peut-être un petit peu de changement de mentalité? We need perhaps a parfois. Change of mindset. Yes. Pour vraiment entrer dans la plénitude de ce que Dieu nous a réservé. To enter fully in what the Lord has in, for us. Ok, point numéro un, c'était ça. L'adoration implique l'être entier, y compris le corps. So first point, our entire being, including our body. Principe numéro deux. Second principle. L'adoration nous permet de mieux entendre sa voix. That the worship helps us to better hear his voice. C'est pour cela, c'est une très bonne chose d'adorer le Seigneur avant de commencer ton étude biblique. That's why it's a very good practice to actually start worshiping the Lord before studying the word. Tu entendras plus clairement les révélations qui chuchotent. Hear the revelation and the murmuring of the Holy Spirit. Et la preuve, c'est dans Psaume 95. And one proof is in Psaume 95. Tu entendras mieux parce que tu seras plus près de lui par ton adoration. Here, because you will be nearer to him through your worship. Dans Psaume 95, 6 à 7, le psalmiste a étendu cette invitation. So in verse 6 to 7. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel. Ça, c'est quelque chose de corporel aussi, n'est-ce pas? This is a body gesture, just to bow down and kneel down. Devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Et après, il y a des avertissements dans le contexte. La connexion, on vient, on se prosterne. First of all, the connection, we come and bow down. On s'humilie. We kneel down, on se soumet. And we submit ourselves. On reconnaît que c'est lui le berger du troupeau. We recognize that he's the shepherd. Et là, of the sheep. On est en position d'écoute. And then we're in the right position to listen. Dans cette posture d'adoration. In this posture of worship. On a un peu vécu cela hier dans le partage de Sylvie au séminaire. We lived a bit that during the sharing of Sylvie in the workshop. Elle nous a conduit dans le psaume 23, versets 1 à 2. She led us in the psaume 23, verse 1 to 2. Et les témoignages ont vraiment prouvé que dans ce lieu où on est dans l'admiration du berger, il arrive, il parle, il agit, and the testimony il ajuste. We heard, it was just a proof, and when we are worshiping and listening to him, he comes and speaks to people, and it was marvelous. Jésus a dit dans Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix. The Lord says, my sheep
hear my voice. Vous avez déjà remarqué que les petits enfants n'écoutent pas toujours les parents. Have you noticed that little children do not listen to parents? Les enfants de bas âge sont tellement préoccupés par leur jeu. By the games. Et papa appelle. And daddy says, hey, come. Viens, à table, maman t'attend. At the table, we are. L'enfant n'entend rien. And the child n'entend rien. He just listen. Eh bien, les enfants spirituels, parfois, sont comme ça, non? Mais les brebis, but the sheep, tout de suite, il y a une réactivité chez la brebis qui n'existe pas chez l'enfant. There is a reactivity immediate, chose intéressante. Do not have in human person. En tout cas, les brebis entendent ma voix. So, the sheep, hear my voice. Notre berger nous conduit là où nous pourrons vraiment avoir cette communion face à face et cœur à cœur avec lui. And the shepherd, our shepherd, would always lead us to a place where we can have a heart-to-heart relationship. Un pâturage, des eaux paisibles. Quiet waters. Donc, c'est même sans musique. Si vous avez un cœur d'adorateur, vous n'êtes pas obligé d'être accompagné de musique. If you have a heart of worshipper, you are not obliged to have some music with you. Mais la musique peut nous aider à nous détacher de toutes ces préoccupations et des distractions. C'est un outil. It's like a tool. Et si vous voulez savoir plus sur l'impact de la musique sur l'âme humaine, if you want to have more information about the impact of music on the human soul, je vous invite à vous inscrire à l'école de disciples à la rentrée. I invite you to get registered to the discipleship in September. Pourquoi? Parce que Why? Ça fait une des pistes d'études que nous faisons. We are studying this subject, one of these. Principe numéro 2, donc c'était l'adoration te permet de mieux entendre sa voix. The second principle was worship help us to better hear his voice. Principe numéro 3. Third one. La vraie adoration implique notre disponibilité. The true worship really implies or involves our availability. Savez-vous, en fait, que vous êtes l'objet des recherches de Dieu? Do you know that you're actually the person the Lord is desiring? Dans Jean 4, 23, John 4, 23, Jésus explique à la femme samaritaine Jesus explained to the Samaritan que woman, le Père recherche des adorateurs en esprit, en vérité. That the Father is looking for worshipers in truth and in spirit. Il ne dit pas que le Père recherche l'adoration, mais l'adorateur, la personne que tu es. Worship, but for the worshipper. C'est comme si Dieu clique sur la loupe dans le moteur de recherche. It's like Jesus is looking and clicking in Google. OK, elle est où? Régine Placide. OK, voilà. Yes, I've got it. C'est là que j'ai destiné à m'adorer en esprit en vérité. OK, I want her to worship. Et il fait ça pour chacun de nous. And he does this with each one. Pourquoi? Of us. Parce que Why? L'adoration va nous conduire à l'intimité. Because the worship will lead us in intimacy. L'adoration, c'est le véhicule le plus adapté à une communion intime avec Dieu. And the worship will lead us with our intimate communion with the Lord. Et vous êtes créé pour l'intimité avec Dieu. And you are created for intimacy with God. Mais quelques-uns ont un peu du mal avec cette notion. But some of you perhaps have problems with this notion. Yeah. On va traiter ça à la fin. We'll speak about it at the end. C'est très présent, hein, la peur d'intimité. It's this fear of intimacy. Mais le Seigneur nous délivre de But nos Lord peurs. Will set us free from this fear. Son amour parfait bannit la His perfect love just put away fear. Prépare l'équipe de prière, Sylvie. J'ai l'impression qu'il y aura une œuvre qui suit really le séminaire d'hier qui va s'effectuer aujourd'hui. Work which will be done by the Holy Spirit at the end. De tels adorateurs, le Père recherche, c'est-à-dire une disponibilité, une réceptivité, une ouverture, si so vous the Lord voulez. Is looking for our availability to, so that we may be open to him. Je ne veux pas que mon adoration se fasse comme d'hab. I don't want my worship to be as usual. Vous voyez ce que je veux dire? You see what I mean. Il y a une rencontre réservée pour ceux qui poursuivent l'intimité. There is always a meeting point for those actually pursuing this intimacy. Qu'est-ce que c'est la phrase fameuse le samedi matin qui est sortie spontanément? What was the
sentence on tu peux vous rappeler? Saturday mornings, which came up. Do you remember? Tu vis do you live? Ce que tu poursuis. Bravo. You live what you are, pursuing. Tu vis, mon ami, mon frère, ma sœur, tu vis ce que tu poursuis. My brothers and sisters, you live what you are pursuing. Si tu poursuis la présence de Dieu, comme ce lépreux qui osait s'approcher. If you are looking after the presence of Jesus, like this leper was actually there, coming to him. Tant que la foule suivait de loin. And while the crowd was looking, was behind him. C'était un cœur disposé et disponible. It had a very open and available heart. Donc un cœur, votre disponibilité se traduit en poursuite. Voilà. When you are available, it will be seen through your pursuing, how you pursue God. Votre poursuite de Dieu. Your pursuit of God. De sa présence. His presence. De son cœur. His heart. De sa pensée. What he's thinking. De sa révélation. Of his revelation. Tu vis ce que tu poursuis. So you are living what you are looking after. Okay. Looking for. Looking for. Looking you. After means to take yes. care. Okay. Okay. Et puis, j'ai oublié de citer un exemple, un cœur disponible. Pensez à Abraham. Just think about Abraham. Genèse 22, verset 5. In Genesis 22, verse 5. Qu'est-ce que Dieu a demandé d'Abraham? What did the Lord ask of Abraham? Comme offrande? As an offering? What son did he ask? Fils. His son. La chose la plus précieuse qu'il possédait. The most precious thing he actually had. Est-ce que Abraham a protesté? Did Abraham said something against it? Est-ce qu'Abraham a fait des excuses pour ne Did pas he le faire? Present excuses, not to Très do tôt it? Le lendemain, il s'est levé But et il s'est dirigé. Et il a été déterminé. It was determined. Donc je dirais que la disponibilité se traduit non seulement par la poursuite, mais par la détermination. I would say that when you are available, this will be seen through what you are pursuing, but as well your determination. Et regarde son langage en Genèse 22, verset 5. And look what it says in Genesis 22, verse 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. He said to his servants, just stay here with the donkey. Moi et le jeune homme, nous irons là-bas Me pour and the little guy, we will go up there adorer. To worship. C'est ça. Mon objectif par cette offrande, c'est adorer mon Dieu. The goal of Abraham was to worship God through the offering. Rien n'empêchait cet homme d'offrir son meilleur. Nothing was preventing him to offer his best, very best. Quelque chose qui allait coûter cher. Something which will cost him very dear. Pour moi, c'est la définition de l'adoration. For me, it's the right definition of worship. Principe numéro 4. The fourth principle. La vraie adoration exige la réactivité. The true worship requires reactivity. C'est une réponse quelque part, une réaction instinctive à la rencontre de Jésus. It's like a reaction, an answer to the instinctive presence of Jesus. Quand quelqu'un vient à la rencontre de Jésus, il n'est pas indifférent. So when somebody comes to Jesus, to his presence, we cannot just stay like this and et be indifferent. Et si quelqu'un permet à ce que la tiédeur s'installe dans le cœur, je me demande s'il vient vraiment à la rencontre de Jésus. And if somebody allows sort of to be mild in the heart, I really ask if he's really in his presence. Parce que sa présence ne nous laisse pas indifférents. Because his presence, in his presence, we cannot be indifferent. Je vais vous donner quelques exemples du Nouveau Testament. So a few examples in the New Testament. Avant le dernier principe. Jean 9, 37 à 38. John 9, 37 to 39. C'était l'aveugle qui était guéri par Jésus. So the widow was actually healed by Jesus. Il a posé plein de questions à Jésus, il a eu tout un dialogue. So he spoke to Jesus. Mais pour faire court, à la fin de cette rencontre avec Jésus, qu'est-ce que nous voyons? So, at the end, that's what he said. En réponse à sa question, tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est le Messie, c'est Yeshua. Et cet aveugle guéri dit, je crois Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il se prosterne. So the blind man said at the end, I believe. And what did he do? He worshipped, he bowed down. Preuve d'une rencontre
avec le Fils de Dieu. That he really met Jesus, the Son of God. Preuve d'une rencontre avec le Dieu extraordinaire incarné en Jésus. It was a proof that he really met this God incarnated in Jesus. Sa réaction? His reaction was, c'était pas plus poser plus de questions. It was not to ask more questions. C'était pas faire un débat. It was not to just debate. C'était pas réclamer encore plus. It was not just to say give me more. S'est prosterné. It was just to bow down. L'adoration est la réaction instinctive devant une so rencontre. So worship is just in the reaction instantly in God's presence. Marc 5:5-6. In Mark 5:5-6. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. On parle de qui? Ce démoniaque. Oh là là, le pauvre, possédé. Mais, regardez la suite. Ayant vu Jésus de loin, qu'est-ce qu'il fait? Il a couru vers Jésus et il s'est prosterné. That was his possessed man. What did he do when he saw Jesus afar? He just ran and worshipped him. Il aurait pu se dire, mais je suis souffrante ou je suis pas digne. He could have said, I'm not worthy of him. Dans cet état-là, vous vous rendez compte? In this particular state, he was not. Au lieu de courir dans l'autre sens, and he didn't run away. L'homme, son être intérieur, court vers Jésus. What was inside his heart just ran towards Jesus. Et boum, réaction à la rencontre de Jésus, se prosterner. And when he's in his presence, he just worshipped and bowed down. Je suis convaincue que c'est cet acte d'adoration qui a déclenché sa délivrance. I really believe that this act of worship actually has started his healing. Au lieu de fuir Jésus avec tous ses problèmes. Instead of running away non. from Jesus with all his problems. Il s'est approché de Jésus. He actually got near to him. Et il a été délivré. And he was set free. Matthieu 28, verset 9. So Matthew 28, verse 9. Un autre exemple. Another example. Cette fois-ci, il s'agit de deux femmes. This time we speak about two women. Après la mort de Jésus, after Jesus' death, elles s'approchent du tombeau pour s'en occuper. And they got near to the tomb just to get busy with it. Et regardez ce qui se passe. And look what's happening. Voici que Jésus vint à sur rencontre et dit, je vous salue. Jésus se présente. Jesus met them and said greetings. Et elles s'approchent pour saisir ses pieds et elles l'adorent. And they took hold of his feet and they worshipped. Oui. Donc, la même chose. Deux femmes, non, certainement déçues de la mort de Jésus. Again, two women, certainly, you know, they were so sad of Jesus' death. Peut-être elles ne se sont même pas rendues compte de ses promesses avant sa mort, they didn't even realize de sa résurrection. The promises Jesus gave before his death. Elles ne se rappelaient pas. They didn't remember. Elles sont allées faire le nécessaire pour le tombeau. Jésus est là. And then Jesus is la réactivité, là, la they réaction, reacted, c'est prosterner. They à nouveau. And bowed down again. On ne peut pas agir différemment quand on vient à la rencontre de Jésus. We cannot react and do anything else when we come to his presence. Quand on réalise combien il est magnifique, when we realize how he's wonderful, combien il est bon, how he's good, combien il est fidèle, how he's faithful, combien il est glorieux, and how much glorious, combien he is, il est merveilleux, how much marvelous, combien he is, il est prodigieux, how much prodigious he is, comment il est tout simplement bienveillant et fidèle, how much kind and faithful he is. La réactivité fait que ça se traduise en adoration. When we act, it means we are just bowing down in worship. Donc, principe numéro 5, et puis on va laisser le Saint-Esprit commencer à creuser. L'adoration qui est vraie, qui est authentique, implique la détermination. True worship will involve always determination. On l'a dit tout à l'heure. So we spoke about it earlier. Cette détermination est surtout nécessaire pendant les épreuves. And this determination we really need it when we are through trials. Pendant les afflictions. When we are afflicted. La maison des afflictions, c'était Bethany. The house of affliction was called Bethany. Et ces exemples m'ont tellement inspiré. And those examples gave me inspired me so much. Parce que nous sommes capables d'adorer Dieu même quand ça va pas dans notre âme. Because we are able to worship him even if the things around us are not going well. Mais c'est l'ennemi qui veut nous faire croire que c'est pas la peine. But the enemy wants us to believe that it's not
It's necessary. Ou pire que ça, j'ai entendu ce mensonge. T'es hypocrite. You are a hypocrite when you are doing this. Parce que tu fais semblant. Because you make believe. Non, quand c'est intentionnel de ta part. No, when you really mean it. Quand tu es déterminé. When you are determined. Tu es focalisé. And just centered on. Tu es concentré. And concentrated. Yes. Tu es consacré. And consecrated. Malgré les épreuves et les afflictions. Despite the trials and afflictions. Ton adoration. Your worship. Monte comme un parfum devant le trône de Dieu. To the throne of God. C'est quelque chose que le peuple de Dieu doit apprendre. C'est ça qui nous fait un peuple différent de ceux qui sont dans le monde. Capable d'adorer notre Dieu quand ça ne va pas. Capable de dire ce que Jacques a dit, considéré comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. And to say, like James said, that to consider the trials like a perfect joy. Parce que les épreuves produisent des bonnes choses dans nos because vies. Trials are actually producing good things in our hearts and our lives. On va clôturer avec Romains 5. So we'll finish with Romans 5. 3 à 5. 3 to 5. Et après, je vais demander à l'équipe d'adoration de reprendre la scène, and then the s'il worship vous plaît. Team will come back and we'll be... Romains 5, 3 à 5. Lisez ce verset avec moi. Bien... Just read this verse with me. Bien plus, nous glorifions même dans les afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà la raison pour laquelle nous pourrons adorer notre Dieu dans l'affliction, dans les épreuves, dans les moments les plus misérables. That's the reason why we can worship our God in our sufferings, in our difficult times. Tout ce que nous pourrons vivre, c'est en vue d'une œuvre qui va glorifier notre Dieu. Everything we actually live will be to the benefit of a better worship to Him. And glory. And of his glory name. To Him. Yes. Et nous pourrons choisir de contribuer à cette œuvre. Ou de diminuer l'impact de cette œuvre. We can either choose to contribute to this glory or to make it less. Dieu se donne à ceux et celles qui persévèrent. God will give himself to those who will persevere. Il est généreux, notre Dieu. Il va donner quand on demande, mais il se donne He's à ceux qui persévèrent. God. He gives always when we ask him, but he will give himself to those who actually, yes. Worshiping. J'aimerais bien citer ce que Michael Koulianos a dit à Jesus Image. Vous n'adorez pas vraiment tant que vous n'oubliez pas vous-même. And Michael Koulianos said, you don't truly worship until you forget yourself. L'adoration, il ne s'agit pas de toi et comment tu te sens, vous voyez? Worship is not doing with you and how you feel. Si tu oublies toi-même, tu vois mieux qui est ton Dieu. If you forget yourself, you see better how your God is looking. Il continue. Le moment où vous vous oubliez est le moment où vous entrez dans la vraie adoration. And the moment you forget yourself is the moment you enter into true worship. L'adoration n'est pas un mécanisme. Worship is not a mechanism. C'est un sacrifice, comme nous avons vu. It's a sacrifice. En l'honneur de quelqu'un qui est digne de notre tout. In honor of someone who is worthy of our all. Et l'adoration authentique se produit. Authentic worship will occur. Lorsque sa présence éclipse votre acte d'adoration. When his presence overshadows your act of worship. Amen. Amen. Donc, on va se lever. Je vais vous donner trois points Please d'action. Stand up and I give you three points of action. Et après, tu peux jouer doucement derrière. Après, on verra comment le Saint-Esprit agit. And then we'll see how the Spirit will move. Trois points d'action cette semaine. Levons-nous. So please stand up for this week. Pour nous amener tous à cette dimension supérieure. So all together we can go in a higher level. D'adoration. Of a higher level of worship. Point d'action numéro un. Action point. Présentez vos corps à Dieu. Just present your body to the Lord. Premier geste, premier First, démarrage d'adoration. Point when you start your worship. Que ça soit ici le dimanche, either here on Sundays, tous les autres jours de la semaine, tu te réveilles, Seigneur, me voici, voici say, mon corps. Lord, just, I'm here. C'est toi le chef. You are the boss. Vous me suivez?
premier acte qui déclenche l'adoration. Présentez vos corps. Will be a starting point. Just present your body. Deuxième point d'action que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Second action point you can really implement it today. Méditez dans la parole de Dieu. Just meditate in God's word. La nature de Dieu. God's nature. Le caractère de Dieu. His character. Son amour. His love. Sa bonté. His goodness. Sa fidélité. His faithfulness. Sa grandeur. His greatness. Sa majesté. And his majesty. Sa royauté. His sa splendeur. His splendor. Notre Dieu est tellement immense, il n'y a pas suffisamment de jours dans l'année. He's so huge, our God. There is not enough days during one year to worship. Point d'action numéro 3. And third action point. Développer le réflexe d'adorer dans l'épreuve. Just to develop the reflex to worship him even through trials. Comme Paul et Silas en like prison, Actes chapitre 6. In Acts 6. Ils ne sont pas pleins de leur détresse. They were in prison, but they didn't et pourtant, say, c'était injuste. And it was an unjust, action in ils ont décidé d'adorer. But they just decided to worship. Et nous, vous et moi, nous sommes créés pour adorer. And all together we are created to worship. Donc, posez vos carnets, posez just vos stylos. Put down your pencil and your on va laisser le Saint-Esprit agir à ce sujet. We will let the Holy Spirit just work and move among us. Peut-être l'équipe de prière peut se préparer. The prayer team can get ready. Parce que Dieu continue son œuvre de libération et de restauration because dans le cœur de son peuple. Because the Holy Spirit wants to keep on, you know, set us free and healing us and restoring us. Juste présentez-vous maintenant. Just devant le Seigneur. Present yourself before the Lord. Approchez-vous de son cœur. Just get near to his heart. Draw near. Je demande aux équipiers de prière de se mettre devant. So the prayer team, please come forward. Et je reviens à ce que j'ai ressenti tout à l'heure. And I come back to what I have felt earlier. La peur d'intimité. The fear of intimacy. Ça date pas d'hier. It's not a new thing. Quelque chose dans votre passé. Something in your past. Dont certains n'osent même pas parler. And perhaps you don't even dare speaking about it. Vous empêche de vous approcher de Dieu. Prevents you to get near to God, to draw near. Et cela a créé cette peur même d'intimité avec Dieu le Père. And this created a fear of intimacy even with the Father. Et tout ce qui s'y associe. And everything which is around it. Peur de rejet. The fear of rejection. Peur de parler, peur d'ouvrir sa bouche. Il y a quelques-uns. The fear just to open the mouth. Vous avez peur d'ouvrir votre bouche devant le Seigneur. You are afraid just to open your mouth in front of the Lord. In the presence. Et le résultat, c'était comme un vœu de silence intérieur. And the end thing was that you made a vow of silence. Donc, Dieu veut faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. So the Lord wants us to become worshippers in truth and in spirit. Et il veut ôter tout obstacle. And he wants to remove all obstacles. Tout empêchement. Everything which prevents it. Si vous vous reconnaissez if you recognize yourself, comme quelqu'un empêché ou intimidé, like being inhibé, somebody, you know, you're fearful or you feel you are prevented from going into his presence. You're inhibited or you're intimidated. Amen. Aussi, ces équipiers sont là pour vous. The people are here to pray with you. Dieu est prêt maintenant à God guérir ready to heal ces souvenirs douloureux du passé. These painful memories of the past. Certaines personnes en sont conscientes. Some people are actually conscious of them. D'autres, pas forcément. Some others, you are not conscious. Mais le Saint-Esprit fait briller sa lumière. But the Holy Spirit is just pouring out his pour light. Dévoiler la cause, la source, la racine de cette the peur. Root and the source of this fear. Et comme un chirurgien délicat, il enlève cette racine. And like a surgeon, he will remove this root.
Si vous avez besoin de prière dans ces domaines-là, if you need prayer in those particular areas, peur d'intimité, the fear of intimacy, peur du rejet, fear of rejection, peur de s'exprimer, fear of, je vous invite à vous approcher. Come forward. Et l'équipe va prier pour vous. Tu veux rajouter quelque chose? Pendant que le pasteur Catherine parlait, so while Pastor Catherine was talking, je voyais qu'il y avait des cœurs I saw hearts qui avaient tellement été blessés, ça avait tellement saigné. Were so much bleeding. Bleeding, they were bleeding, yes. Que en fait, vous avez mis comme un espèce d'énorme sparadrap, des bouts de scotch. You put just a sort of sparadrap over a it. A bandage. Pour arrêter le saignement. So that the bleeding stopped. Et ça, c'est depuis des années, depuis très and très this longtemps. Is a situation oui. Lasts for many, many years. Et du coup, tu as tellement peur que l'on touche à ce sparadrap. So you are so fearful that somebody will touch those bandages. Tu as tellement peur que ça recommence à saigner et que la blessure s'ouvre et soit aussi douloureuse. You are so afraid that the wound will be open up and bleed and it, so it becomes painful again. Mais le Saint-Esprit te dit, and the Holy Spirit says, si tu restes comme ça, if you remain in this situation, jamais tu seras guéri. You will never be healed. Tu auras toujours cette souffrance à l'intérieur you de toi will always have this suffering inside of you, qui va continuer à te pourrir la vie. Which will really bother you always in your life. Et le Saint-Esprit te dit, and the Holy Spirit says to you, je suis doux et humble de cœur. I'm humble and gentle. Parce que j'apporte le caractère de Jésus. Because I bring the character of Jesus. Je suis comme Jésus. I am like Jesus. Quand il était sur la terre, when he was on the earth, et qu'il voyait une souffrance, and when he saw suffering, il était ému de compassion. He was moved with compassion. Cet amour qu'il avait, this love he had, c'était l'amour du Père. It was the love coming from the Father. Toi, tu sais pas, peut-être pas ce que c'est. Perhaps you don't know what it is. Mais c'est un amour qui vient toucher. But this love comes and touches you. Qui vient guérir. It wants to heal you. Qui met de l'huile. Qui met de l'huile. And comes down and puts some oil on. Une huile qui guérit. And this oil will heal you. Une huile qui restaure. And will restore you. Et qui permet une cicatrisation complète. And, so your wound will be healed. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. That's the work of the Holy Spirit. Et ce matin, il te demande l'autorisation. And today, just asking you the authorization. De retirer lui-même ce pansement. To remove this bandage. Parce que c'est comme un parfait chirurgien. Because it's like a perfect surgeon. Il sait. He knows how to do it. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est un Dieu extraordinaire. That's why he is an extraordinary God. Et voilà pourquoi il mérite une adoration extraordinaire. And that's why he really is worthy of an extraordinary worship. Tellement bon. So good. Tellement tendre. So gentle. Tellement délicat. So delicate. Si vous avez bien besoin de prière, approchez-vous maintenant. If you need prayer now, just come forward. Et si vous avez envie d'entrer dans la dimension supérieure, and if you really desire to enter this higher level, soit rester sur place pour adorer, soit sortir dans les allées pour adorer. Either you remain at your seat or just come forward in the alley. Nous allons clôturer ce moment, so we will finish this time, dans l'adoration. And worshiping. Et si vous avez besoin de guérison maintenant, if venez. You need some healing, just come now. Levons nos mains, fermons nos yeux, focalisons sur Jésus. Look at Jesus. Recevez votre guérison maintenant. Receive your healing right now. Recevez votre restauration. Receive your restoration. Recevez votre libération. Receive your freedom. Nous sommes là pour vous accompagner. We are just here to be with you.